Les Cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du WFC. Je suis très heureux, très content d'être avec vous. Le marathon Coupe du Monde qui continue. On va parler du match qui vient de se terminer, la défaite de la Tunisie face à l'Australie. La Tunisie n'est pas encore éliminée de cette Coupe du Monde. Ça va être difficile. Ça va être compliqué sur la fin de, de cette compétition. On va parler de ce match face à l'Australie. On va le débriefer un petit peu. Et puis, euh, on parlera également du Sénégal euh, hier qui s'est imposé face au Qatar et au 16e de finale en perspective qu'il y aura face à l'Équateur. Bon, <laughs> Bonjour, j'ai un juste une question à vous poser. Est-ce qu'il y a de la thune ici <laughs> J'aime bien. J'aime bien, bien. bien. pas mal, celle-là. Ouais. La Tunisie. La Tunisie, ils sont partis pour faire Algérie 2010. Zéro but dans le tournoi. Nabil Géhit qui a <laughs> commenté non, le match. On aurait voilà. aimé l'avoir dans le débat. Ouais. Euh, en fait, il avait un stock de jeux de mots. Juste une dernière vanne avant de partir. J'ai pas trop kiffé ce match. Et une deuxième. Ouais, J'ai vu qu'Elton était en jaune. Elton jaune. Ah, bah oui, mais ça, c'est la spéciale, <laughs> Elton jaune. Faut te renouveler, là. C'est Merci, Nabil. Merci, Nabil. Merci, Nabil, hein. Ciao. <laughs> il faut savoir que Nabil, quand il vient, il a un stock de val à sortir, et comme là il y a beaucoup d'arrêts de jeu et qu'on doit rendre l'antenne assez vite, eh bien, il est obligé de les sortir un petit peu pendant les briefs après. Euh, Elton John, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Walid, bonjour les Winamis. Très content d'être parmi vous pour cette septième journée de Coupe du Monde. Ça va Écoute, ça va. Même si il euh, y aura de la déception côté Tunisie parce qu'ils ont complètement déjoué. Ouais, c'est vrai qu'on est. Je vous demanderai ce que vous pensez de, de la prestation de la Tunisie, mais c'est un peu amer. C'est un peu amer ce que le, la sensation. Orange on a, amer. On a, Enrico Macias. Ouais. C'est un peu, c'est un peu, voilà, spécial qu'on qu a ressenti là sur ce match de la, de la Tunisie. Olida Cherchour bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Elton. Bonjour à tous les Windamis. Olida Cherchour une de plus, another one. Ouais, ouais très très déçu de, de cette performance tunisienne. Euh, beaucoup trop léger pour. Euh pour une Coupe du Monde comme, comme prestation, même face à, à l'Australie, euh, qui s'est mangée une trempe quand même par, par l'équipe de France il y, a, il y a trois jours. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire euh, sur, sur cette prestation tunisienne. On aura l'occasion d'en reparler. On va en parler pendant toutes les, toutes, toutes les missions. Et puis après, on fera un petit focus sur, euh, sur le Sénégal. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis, vous aussi. Il hein, y en a qui parlent déjà des... Des, euh, des, des prestations des nations africaines. J'ai pas envie qu'on fasse un débat sur les nations africaines à chaque fois qu'il y a un résultat. On en a parlé après la première journée. Euh, malheureusement, le constat qu'on a fait après la première journée a l'air de se confirmer euh, sur la suite. Le Sénégal l'a emporté hier et c'est bien et on va en parler euh, euh, tout à l'heure. Mais là, la Tunisie, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait un peu tâche. Quoi. Euh, bonjour à vous, donc les Winami qui êtes, qui êtes là sur, sur les différents chats. J'en ai sur, euh, sur YouTube, il y a euh, Isdin qui est, là, euh, y a qui est là, il y a Herman qui est là, il y a Albundi euh, qui est là, il y a Merwan qui est là, Jonathan, enfin voilà, il y a énormément de monde. Il y a OM1869 sur le, YouTube, sur le Winamax, il y a Nada67 sur le Winamax, Obix également, euh, light euh, voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi euh, euh, Twitch avec… Euh, Salim qui est qui est là, notamment, S, D, K, il y a plein de lettres, voilà. Euh, on est très heureux que vous, soyez, que vous soyez avec nous, on sait que c'est maintenant un rendez-vous sur lequel vous répondez énormément présent, on est là, on voit que les audiences sont complètement folles, il y a, voilà, là je vous dis, je vous parle, on est combien, là on est 500 alors qu'on n'a pas encore démarré l'émission. Voilà, c'est génial, on est très très heureux que vous soyez avec nous ici, vous aimez le WFC, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez en avoir beaucoup aujourd'hui. Vous en allez avoir beaucoup, 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 beaucoup. Euh, avant de vous montrer le programme de l'émission, on a euh, donc WFC là maintenant, là, pendant une petite heure euh, avant le match entre la Pologne et l'Arabie saoudite qui démarre à 14h. Ensuite, il y a le match qui est commenté euh, sur la chaîne de Winamax. Ensuite, il y a le match de l'équipe de France euh, face au Danemark, prise d'antenne 16h30 avec euh, Najim et, et Mohamed Eni. Ensuite, il y a débrief de la France à 19h, horaire inhabituel, attention, dans la foulée du match de, de l'équipe de France. Puis match commenté de l'Argentine, puis débrief de l'Argentine à 22h. Ça ne s'arrête jamais. Et ensuite, il y aura bien sûr demain, bah, encore une fois, un même, ce même programme-là. Ça ne s'arrête jamais. Euh, il y en a qui font toutes les émissions, là Ouais, nous deux. Euh, oui, ah, euh, oui. Enfin, euh, surtout Walid. Toi, tu fais pas Et tout euh, tout monde, ça émission de 13h. Ah, aujourd'hui Ouais, aujourd'hui, je fais les trois, ouais. ouais. C'est beau. On se euh, euh, ouais, Vous êtes. Euh... C'est pas mal. C'est bien. En, en termes de fatigue, vous êtes bien. Ouais. bien pour l'instant. Bon, ah, on a fait une préparation spécifique Et ce matin. On est, on est préparé pour ça. <rire> <rire> y a aucun problème. Il n'y aura pas d'état d'âme. Il n'y aura pas d'état d'âme, tu penses oui, bien Évidemment. Bon. Euh, le programme de l'émission, je vous le montre. Le programme de l'émission, on va débriefer donc d'abord euh, cette euh, défaite de, de la Tunisie face à l'Australie. Les Aigles de Carthage à terre. Les Aigles de Carthage qui ont un seul point, qui sont pour le moment dernier de la poule en attendant le match. De l'équipe de France. Si on fait un, un bref point classement, si l'équipe de France gagne face au Danemark, l'équipe de France est non seulement qualifiée, mais assurée des premières de la poule en cas de, de victoire tout à l'heure. Euh, la Tunisie, ensuite. Euh, la Tunisie avec. avec bah, Est-ce qu'il y a encore des espoirs Est-ce qu'il y a encore des espoirs face à l'équipe de France en, en, en dernière, en, pour le dernier match euh, est-ce que vous croyez que les aigles de Carthage peuvent réussir l'exploit de l'équipe de France Ça va dépendre aussi du scénario forcément entre la France et le Danemark. Mais est-ce que sur ce que vous avez vu, vous voyez la Tunisie pouvoir se qualifier être supérieure au Danemark et à l'Australie Ensuite, on parlera du match du Sénégal hier face au Qatar. On reviendra brièvement sur, sur ce match-là parce qu'on l'a pas débriefé sur, sur le WFC. Et puis on se projettera sur la finale avant l'heure, le 16e de finale entre le Sénégal et l'Équateur. Il faut une victoire pour les Lions de la Teranga afin de de euh, se qualifier pour les huitièmes de finale. Et puis on terminera euh, par le coup franc avec les coups à tenter euh, aujourd'hui, le Pologne-Arabie Saoudite, le France-Danemark et euh, l'Argentine-Mexique. On démarre tout de suite la première partie de l'émission, c'est la causerie. La causerie donc avec euh, ce débrief de, euh, de Tunisie-Australie. Euh, la victoire de l'Australie face à la Tunisie, j'aimerais qu'on vous montre les répartitions des mises sur ce match-là, parce que avant, euh, avant le match, bah énormément de mises étaient sur la Tunisie. 75% la cote à 2.15. Le match nul était, euh, était euh, coté à 3.40 et, euh, et il y a 14% des mises qui ont été dessus. Et puis finalement, 15 dixième, 11% des mises sur, sur l'Australie. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est une victoire surprise, Elton Non, c'est pas une victoire surprise parce que rien ne laissait penser que la Tunisie avait une marge confortable par rapport à l'Australie. Oui, sur le plan arithmétique, la Tunisie avait un point de plus, mais enfin de là, à dire que la Tunisie était supérieure à l'Australie, il fallait le démontrer sur le terrain. Dans la réalité, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, je pense qu'il y avait beaucoup... Il euh... sortait quand même de deux dynamiques différentes. Euh, la Tunisie avait... Oui, mais attention – Attention, euh, après… – J'ai fait y... un match nul contre le Danemark, vous pouvez penser que qui était censé être la première ouais. ou deuxième équipe. De oui, ça c'est voilà. vrai. Voilà. Non, ça c'est vrai pouvait. sur le point du résultat, mais tu peux aussi dire que l'Australie avait joué l'équipe de France, oui, voilà. championne, du monde, championne du monde en titre. Donc par rapport à ça, pour moi, ça te faisait dire que attention, la vérité du match suivant n'était pas forcément la même. Donc de là penser que pour moi la Tunisie aurait une marge confortable par rapport à l'Australie, non, parce que on voit bien que la Tunisie, on l'avait déjà évoqué à l'occasion du match face au Danemark, c'est surtout une performance défensive qui est ressortie. Et là, tu étais sur un cas de figure où il fallait prendre des points. Donc c'est davantage avec ballon que tu allais être challengé et là pour le coup ça a été d'une pauvreté abyssale je viens de voir un tweet euh, d'oussama Moussaif euh, qu'on salue qui dit que à un moment donné il faut pas oublier euh, les fondamentaux et les fondamentaux c'est quoi de mettre le ballon dans les buts quand même. non non c'est surtout de jouer avec le ballon et là pour le coup la Tunisie a été en carence de ça dans cette capacité à bien utiliser le ballon à l'amener régulièrement dans les derniers mètres ça a été un peu mieux en seconde période mais enfin on parle d'un match de coupe du monde This is the World Cup, comme dirait Hervé Renard. Et là, pour le coup, ça a été insuffisant. Donc, pour ça que tu ressors euh, du côté de la Tunisie, avec déjà sur le plan arithmétique, on est quasiment éliminé euh, de la Coupe du Monde. Mais surtout, pour moi, c'est la pire impression c'est qu'on sort d'un match en n'ayant pas montré l'étendue de nos possibilités avec ballon. Mmh. Euh, je vous ai mis juste le commentaire de Meringue 90, -10, que je trouve incroyable. La Wabi Causerie. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Si on sort de, de ces, enfin, ces considérations-là et que on reste sur l'impression qu'on avait en début de avant la rencontre, euh, comment vous jugez le, le match de la Tunisie, Walid Est-ce que tu es déçu Est-ce que tu trouves ça moyen Est-ce que tu es frustré de, sur, sur ce match-là Non, non, je suis pas frustré. Je trouve pas ça moyen. Pour moi, c'est décevant. Et même au-delà de, 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 du mot décevant, euh, j'ai pas envie d'aller euh, plus loin parce que. Euh, euh, tirer vers le, le, le step encore au-dessus, ça serait presque honteux. Ouais, non, mais pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal de proposer. Bon, alors, bien évidemment, que nous, euh, dans, 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 euh, dans nos connaissances. Euh... Euh, du continent africain. Euh, on n'est pas surpris par rapport à la Tunisie parce ouais. que c'est une équipe qui fait beaucoup plus déjouer ses adversaires. Souviens-toi comment ils sont arrivés à la Coupe voilà, du Monde. Voilà que de jouer au football. Il faut pas oublier que euh, c'est le Mali qui se chie dessus, euh, clairement. Avec hein. un but assez euh, euh, improbable. Exactement. Et, de, et, de, et, de, et un contexte de match assez paranormal qui ont permis à la Tunisie d'aller à la Coupe du Monde. Il euh, faut pas oublier qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, le meilleur match de la Tunisie, ça reste contre le Nigeria où ils ont réussi à faire déjouer une équipe qui jouait au football. Voilà, c'est. C'est comme ça, c'est le style de jeu. Ça fait partie de l'ADN et du style de avec jeu de la Tunisie. Euh, c'est une grosse assise défensive. On savait ce qui, ce qui allait se, se passer. Maintenant, c'est bien contre le Danemark d'avoir fait un match valeureux, courageux, euh, même par moments avec quelques situations, euh, et d'avoir contenu les Danois. Mais j'oublie pas qu'en deuxième mi-temps, déjà contre les Danois, ils sont quand même à deux doigts. Il y a un poteau de, 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 de Cornelius. Cornelius euh, euh, à il y a deux centimètres. Voilà, du but. Il, y a, il y a des grosses situations. Tu ressors avec un match nul, bravo. Mais le problème, c'est que ce match nul contre le Danemark, t'en fais quoi, en fait, derrière C'est ça qu'il faut matérialiser. C'est-à-dire que c'est ce qu'on explique aussi avec les, avec les sélections africaines. C'est que, bien évidemment, tu fait ta petite comptabilité. Tu as fait ton petit calcul d'épicier en disant le premier match, on va essayer de resserrer face à une équipe comme le Danemark. Et on va essayer de te défendre et d'aller chercher notre point. Mais le problème, c'est que ce point-là, il te sert à quoi maintenant Il te sert à quoi maintenant, vu que tu as perdu contre l'Australie et que dans ce projet de jeu avec le ballon. Bah, tu n'as rien montré. Et moi, je suis désolé, mais la Tunisie, bah, c'est souvent le cas. Souvent... Moi, je suis souvent déçu avec la Tunisie. Alors, bien évidemment, et on en parlait avec Oussem dans l'after, ils n'ont pas les mêmes moyens que beaucoup de nations africaines. Euh, il faudrait faire un débat euh, beaucoup ah, plus profond ouais. euh, sur la fédération euh, tunisienne. Ce n'est pas la fédération la plus riche. Euh, ils n'ont pas les, les, les plus grands joueurs. Bah, ils ont des clubs quand même qui peuvent être. Euh, ils ont une assise locale qui oui, peut évidemment. les Oui, oui, là, oui bien quoi. évidemment, mais ils n'ont pas les plus grands joueurs. Aujourd'hui, du continent, la oui, réalité, est elle sûr. est là. Euh, les meilleurs joueurs, c'est Laïdouni qui joue à Ferenvaros C'est Msekni qui est vieillissant. Euh, c'est un, un, un... qui est en perte de vitesse. Un un qui en perte de vitesse, euh, qui est même pas titulaire parfois. C'est Talbi à l'Orient. Donc, par rapport à, aux autres sélections, je pense au Maroc, je pense au Cameroun, euh, je pense au Sénégal, oui. etc. On est quand même sur des joueurs d'un étage en dessous. Et puis surtout, euh, le, la Tunisie, contrairement à l'Algérie, contrairement au Maroc notamment, ils n'ont pas cette force, euh, ce vivier des binationaux. Euh, pour euh, euh, pour essayer de renforcer un peu cette équipe la même chose pour le Ghana on sait que le Maroc c'est ben, un, a... un choix où il y a vraiment pas de le... vie non mais a... aujourd'hui ouais, euh, par exemple le nibel Mejbri mais oui, voilà, c'est voilà. comme... un cas récurrent aujourd'hui par rapport au Maroc et à l'Algérie c'est c'est pas le même puits quand tu vois le Maroc qui a euh, une, une branche euh, hollandaise, une branche le Beneluc, euh, euh, française. Le le Beneluc, française, la France. Exactement, avec des ponts euh, qui te ramènent quand même un vivier de joueurs assez important, même l'Espagne avec Akimi. Exactement. Euh, euh, quand tu vois l'Algérie, etc., la Tunisie, si tu vois les dernières années, il n'y a pas eu énormément de grands joueurs qui ont. Mais la réalité, quand même, donc j'essaie d'atténuer, mais la réalité, c'est que tu perds. Euh, contre une équipe euh, du continent de l'Océanie, enfin ils jouent Elle pour l'Asie. La ouais, ils, ils jouent pour l'Asie, mais c'est le continent. C'est avec la Nouvelle-Zélande, le continent c'est l'Océanie. Mmh. Alors bien évidemment qu'il y en a qui te diront, oui, attention, Walid, par contre, par contre, faut pas manquer de respect à l'Australie parce qu'ils sont souvent là, parce qu'ils ont quand même une expérience. Mais quand je vois la faiblesse de l'Australie sur le premier match contre l'équipe de France et quand moi le premier, Romain, je dis moi le premier parce que je me mets dedans, ce serait facile de, de, de s'exonérer, <coughs> même si j'ai pas été très très loin dans ces débats-là. Mais on essaie de valoriser le continent africain, on essaie de valoriser. Euh, les performances africaines, les joueurs africains, il euh, y a souvent des débats euh, euh, intercontinent. quand tu vois que ce soir, sur un deuxième match clé... Ce matin, ce matin, attends, on n'est pas encore à ce soir. Quand tu vois que ce matin, dans un, comment dire, dans un match clé d'une rencontre où tu peux avoir quatre points, et surtout, tu peux avoir une équipe de France qualifiée ce soir euh, s'ils si gagnent contre le Danemark pour aller les rencontrer et pour essayer de faire un, le match de, de leur vie pour composter un point et, et, et sortir de cette poule-là avec cinq points, tu passes complètement à côté. Tu passes complètement à côté. La première mi-temps, elle est indigne. Footballistiquement, techniquement, individuellement. Alors oui, il y a de l'intensité, oui, mais ça ne suffit ben pas pour Le moi. but de Duc a changé ton scénario. Oui, ça, ça suffit, pas pour, ça suffit voit... pas pour le football. Ça ne suffit pas pour aujourd'hui, pour ce football-là. J'aimerais qu'on voit la, la composition de, de la Tunisie euh, aujourd'hui, qui était en, en 3, 4, 2, 1. Euh, L'incorporation de Neim Slity pour amener peut-être un peu plus, euh, un peu plus de, de, voilà, de dynamisme à cette attaque. C'est quasiment pas vu. Euh, ça s'est pas vu. Alors lui, Sliti, il a eu quelques ballons, etc. Il a essayé d'être mûr, mais mais on a l'impression que euh, cette Tunisie-là jouait presque à contre-nature en essayant de, de faire le jeu, quoi. Ouais, parce que encore une fois, le but de Duke change la donne, parce que je pense que la Tunisie aurait été dans une approche spéculative. Qu'on était à 0-0, tout allait, à partir du moment où tu as le but de Duke, et ça te force à, à prendre des responsabilités. Et l'Australie est dans une situation beaucoup plus commode parce que eux ils vont mettre de la densité, de la compacité et ils vont faire en sorte que la Tunisie va devoir se forcer à attaquer. Et donc par rapport à ça, on a vu un Soutar qui a été impérial en défense centrale. On a surtout vu côté tunisien que moi j'avais le sentiment que M. était la cause et la conséquence du jeu tunisien. Alors tu as eu un rééquilibrage tactique à partir de la seconde période avec le passage à 4. Mais ce n'est pas comme s'il y, y avait eu énormément d'occasions. Tu as par exemple l'entrée de Sassi. moi, je n'ai pas trouvé bonne. J'ai pas trouvé bonne. Et ça, ça a été préoccupant. Donc, déjà, dans cette capacité déjà à avoir un volume d'occasions pour poser des problèmes à Ryan, si tu veux, Ryan, il a surtout été challengé sur les centres, pas nécessairement sur les tirs. Bon, même s'il euh, y a eu des tirs, il y a eu des frappes l'antenne. Mais ce n'est pas comme si, déjà, tu avais eu un, 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 un volume d'occasions important et surtout des occasions nettes. Et ça, pour moi, ça a été un manque pour la Tunisie et qui explique que tu passes à. Et, est, et puis surtout, on est l'impression que tu es inférieur. Tu es inférieur quand, qu comment dire, dans... Dans l'impression visuelle, dans le, dans, dans le côté compact, dans les duels, euh, défensivement, tu mets très dans très bien dans, dans l'utilisation dans, dans, dans du ballon, même dans la qualité des joueurs. Ce soir, ah, il y, je... y a des joueurs australiens. J'ai l'impression, dis... bah, par exemple, Moy au milieu de terrain, je suis désolé, côté tunisien, tu n'as pas l'équivalent. Là, voilà, on a parlé de l'Aïdouni <laughs> sur le premier <laughs> match. Justement, oui, oui, j'aimerais revenir, tu as raison là-dessus. À part Skiri aujourd'hui, comment vous jugez le match de la Tunisie Le décevant l'emporte assez largement. Les hommes forts du match face au Danemark, je pense à Leïdouni qu'on a forcément encensé, je pense à jebali aussi qu'on avait encensé face, face au Danemark, ils n'ont pas vraiment répondu présent. J'aimerais qu'on commence par Leïdouni, parce que Leïdouni est même sorti pendant, pendant le match. Quelle note vous donnez à Leïdouni, les Winamis sur, sur, Vous pouvez faire ça sur le, sur le chat Twitch, sur le chat YouTube et bien sûr sur le chat Winamax, vous mettez une note entre 0 et 10. Walid, forcément dans… Dans un style de match comme ça où, euh, où il faut aller chercher un résultat, l'Eidouni, ce n'est pas forcément le, le joueur euh, prépondérant qu'il qu te faut, mais il peut t'amener un peu d'impact, etc. Et même ça, on a l'impression que, que ça a un peu manqué aujourd'hui. Oui, on est un peu, peu déçu. On, on en a parlé en bien, bien évidemment, sur le, sur le premier match, mais ce soir, on attendait mieux. Moi, je te dis sincèrement, hormis Skiri, euh, côté tunisien, je suis satisfait de très très peu de, de, de performances, on ne peut pas, on peut pas se, se le cacher. Et, et bien évidemment que euh, même si les milieux de terrain ne sont pas aidés par rapport au fait qu'offensivement c'est beaucoup trop léger, on parlera de Djebali, on parlera de Msakni, on parlera de même de la rentrée de, de Kazri, euh, le match de slitchi. Euh, voilà c'est bien, il y a, par moment il y a de la touche technique, par moment ça, ça amène le ballon dans la surface de réparation, pas mais, 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 mais c'est pas concret. On peut pas se satisfaire à chaque fois de dire oui, c'est bien, oui, il y a de l'envie, oui. Mais tu en Coupe du Monde. Si t'as pas d'envie, en Coupe du Monde, tu as de l'envie. Où tu as de l'envie de... Tu fais une Coupe du ouais, Monde mais tous mais les 4, 4 ans. Moi, un minimum. En fait, c'est un minimum. On peut pas se satisfaire. Ouais, mais ouais d'accord, mais quand même, il... on les a regardés dans les yeux. Tu joues l'Australie. Et je te dis sincèrement, avec, Wally, le... Wally, avec, tu avec... Un but Tu, prends... hein. tu joues l'Australie dans une configuration où c'est censé être l'équipe la... Oh, mais... la plus faible de ta poule. Ah, mais, mais, en fait, mais véritablement, l'équipe la plus faible, c'est qui ah, tu ben vises voilà. Tunisie, la réalité, elle voilée, est là, voilée. la réalité. Tu, tu prends quand même. Alors, on doit, on doit évidemment le respect, mais tu prends quand même un but de l'attaquant du troisième du championnat japonais de deuxième division. C'est le premier joueur euh, de, du mondial de deuxième division à marquer un but. Voilà. Donc à un moment donné, je fais. Euh, on peut tout expliquer sur euh, le talent, etc., etc., mais les faits sont là. L'Australie gagne son premier match à la Coupe du Monde sans, avec un clean sheet. Donc c'est quelque part que ta performance, elle est absolument pas grandiose. Donc il faut aussi se regarder, il faut aussi se regarder. Ouais, dans glace, et, ouais. et se dire des vérités. Ouais, et bien évidemment, non mais ouais. moi je suis d'accord avec avec Eltane là-dessus. Et au-delà, au-delà des distinctions individuelles, parce que tu vas les mettre, tu vas les faire à l'appel, mais ça sert à quoi, Romain Non, non, je, je, non. mais tu je, vois, justement. Non, le conseil est global. Le ouais. conseil est global. Et aujourd'hui, collectivement... la, 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 la réalité, c'est que on en parlera peut-être sur France Tunisie euh, quand on fera un vrai un vrai bilan et on fera. Mais mais tu ta coupe du monde, elle est déjà terminée. Ah, Elle est déjà terminé ta Coupe va, du Monde Je vous montrerai le, le, groupe, le groupe tout à l'heure. Euh, J'aimerais qu'on vienne sur cette euh, impression qu'on a eue, notamment sur la première mi-temps, mais même la deuxième, n'était pas incroyable là-dessus. C'est techniquement... Alors là, c'est les deux équipes, hein, c'est pas forcément que, que la Tunisie. J'ai vu la stat euh, de Najim qu'on salue. C'était 30 fautes sur 90 minutes, donc on est sur une faute sur les 3 minutes. C'est pas possible sur une Coupe du Monde. Techniquement, c'est peut-être un des matchs les plus faibles qu'on ait vu. Euh, ah oui, faire, le match euh, le plus faible. Ah oui, c'est le match le plus faible, euh, oui, on peut plus. mentir est-ce que, est -ce que bah, tu peux espérer quelque chose quand techniquement tu n'arrives pas Parce qu'il y a les intentions, etc. Mais il y a aussi la réalisation de ce qui peut être fait sur, sur le terrain. Techniquement, est-ce que tu peux espérer mieux quand tu as, as ce vivier-là Non, parce qu'on parle souvent d'intensité, cette idée de mettre de l'intensité, mais il faut que l'intensité soit au service de la technique. Tout le monde peut mettre de l'intensité. Mais si tu n'arrives pas notamment à déplacer l'adversaire dans la bonne zone, encore plus l'Australie qui sait qu'il va t'attendre de manière très compacte. T'as un déchet technique, et ben bah c'est incompatible avec l'idée d'aller loin euh, sur la Coupe du Monde. Et là, on a vu la Tunisie au moment de s'approcher dans les derniers mètres, au moment de trouver les fameuses premières relances qui étaient capables justement de faire déséquilibrer le bloc australien. Et ben bah, il y a eu un déchet technique. Et ce déchet technique, t'a obligé à quoi T'as obligé à compenser, notamment avec un surplus d'intensité, parce que à partir du moment où tu maîtrises pas notamment euh, ton ballon, et ben bah, tu vas rentrer dans une considération où il faut que je gagne des duels de manière physique pour essayer d'avancer dans le coin adverse. Et ça, mon cher Romain, c'est pile ou face. Les duels, tu les gagnes ou tu les gagnes pas. Et là, pour le coup, il se trouve que l'Australie était capable de rivaliser dans ce domaine-là. Et donc, par rapport à ça, la Tunisie, même sur ce plan-là, bah, ils n'ont pas pu notamment s'installer de manière sereine dans le coin Donc, pour moi, le déchet technique, il a été trop important pour espérer envisager quelque chose. Mais, non, mais théoriquement, Sakni, Sviti, c'est des joueurs de ballon. Oui. Tu dois pouvoir normalement avoir ouais, une mais est des... qui est un peu plus. Oui, mais Romain, c'est des joueurs de dernier tiers. Encore une fois, le problème, c'est l'acheminement du ballon. Sliti, Jebali et Msakni sont des joueurs de dernier tiers. Pour qu'ils aient le ballon, il faut qu'il y ait eu un acheminement. Et déjà, On l'a vu dès, déjà en fin de match. Oui, euh, et déjà, dès, tiers, dès, la, dès, la a... la, dès la ligne arrière, en ayant trois défenseurs centraux, donc ce qui t'offre plus de possibilités pour pouvoir relancer, parce que tu as deux attaquants australiens, donc tu as théoriquement une supériorité numérique. Cette supériorité numérique, en amont, tu ne l'as pas valorisée. Donc à partir du moment, c'est toujours ce que je disais, tout ce qui commence mal ne peut pas bien finir. Dès les lignes arrières, tu es en difficulté. Comment tu veux acheminer le ballon vers Siniti, vers Jibali et vers M. -Sakni dans des conditions sereines si tu es en difficulté dès les premières passes mmh. des, Surtout même, 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 même sur la fin de, 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 de terrain, sur la dernière partie de terrain, c'était pas non plus. Il hein. y a des actions ouais. où tu attaques à deux. Euh, y a des, même, même au milieu de terrain, il y a eu du déchet technique. Dans la relance, même, même devant, euh, à chaque fois qu'il y a ce cheminement-là, c'est pas assez impactant, c'est pas assez méchant. Là, tu me disais, comment il s'appelle La routard, là, derrière là? Soutard, la deuxième ligne. Soutard-Nesta. Ah, voilà. Soutar. Non, mais voilà, d'accord. Ouais, non, 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 mais je suis désolé. Il le a mec, été libéré par il... le pack australien. Non, mais il est, re... il est... Il est... Il est remplaçant à Stoke, le mec. Ouais. Il a un match. Et il a fait et un sacré match. Il a un match, <laughs> et on fait un sacré il match. Il joue à Fleetwood. <laughs> il joue à Fleetwood en Ligue 1. Non mais, non, mais moi, je veux bien… Ah, c'est en Ligue 1, en troisième div. Ouais, il, il jouait avant Stoke City. Là, il est en Stoke City en Championship. Il était en Ligue 1. C'est un joueur de Ligue 1. Il fait un super match, le mec. Ouais. Il se régale, le mec. C'est pas normal. Moi, je suis désolé, mais et encore une fois, qu'est-ce qu'on va dire oh, J'ai pas envie d'être méchant pour nos amis tunisiens, parce que j'ai beaucoup. Moi, je suis triste. Vraiment, je suis triste parce que la Tunisie, en plus, tout à l'heure, quand on fera le bilan africain, bien évidemment, en fait, la Tunisie, c'est une équipe quand même qui est assez récurrente sur la dernière décennie. C'est leur deuxième qui est là, est... qui, est, là, mais qui est, est voilà, qui est, est, qui est là dans est les leur, est leur deuxième coupe du monde d'affilée. Bah... C'était en 2018, voilà, bah t'as fait un match. Euh, courageux contre l'Angleterre, t'as perdu à la 90e minute, t'as pris une danse contre la Belgique, t'as gagné contre le Panama, ok, bah tu te dis vas-y, ils vont apprendre en 2018, et puis ils vont revenir en 2022, avec beaucoup plus d'expérience, et beaucoup plus d'ambition, et beaucoup Et voilà, tu reviens en 2022, premier match contre le Danemark, bien, etc. Comme le match contre l'Angleterre, qui aurait pu tourner comme l'Angleterre, mais qui n'a pas tourné comme l'Angleterre, deuxième match contre l'Australie... Tu perds, et tu perds de cette manière. Et après, qu'est-ce qu'on va dire Ah bah, 2026. Et puis, mais en fait, finalement, les projets se déconstruisent. Il n'y a pas de stabilité, il y a rien. C'est toujours la même chose. Y a, et là aussi, il y a... y a un coach qui est parti il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a toujours... Y a, y a, y a toujours... Et c'est ça qui est, qui est frustrant ça qui fr... Comment, en fait, c'est possible de se dire que cette équipe-là, de la Tunisie, comment on peut valoriser? On va valoriser tout le temps, on va toujours valoriser. Oui, mais la cannelle est bonne. Oui, mais truc, etc. Et on se rend et pas faut compte. Il y a un écho. Voilà, et on se rend pas compte. On se rend pas compte que là, as perdu contre l'équipe qui a gagné le barrage asiatique. Et encore au tir au but. Ils ont gagné contre le contre le Pérou euh, au tir au but. Non mais la réalité elle est là entre le barrage asiatique et le, et le barrage ouais, sud Et rare, mais, mais dans un premier mais, temps puis Pérou. Et, mais, 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 mais la réalité elle est là c'est qu'ils sont terminés cinquième sur dix de, euh, de des, comment, des barrages des, des barrages asiatiques. Des, des barrages asiatiques. Derrière l'Iran sur... le Japon Corée du Sud et Arabie Saoudite. Ouais. C'est fou. Moi, je suis désolé. Après, comment, comment, comment on peut, comment on peut comment on va valoriser notre continent Comment je vais valoriser notre, le continent que qu'on essaye de valoriser toute l'année en, fait, en regardant, est-ce qu'en regardant euh, pas seulement les prestations, euh, mais c'est avec ce prisme-là, on réalise pas le retard qui se fait par rapport à, à tout le reste. Ah, mais plus... C'est ce qu'on avait dit hier. On joue comme on s'entraîne, on s'entraîne comme on est dirigé. Tu ne peux pas arriver, encore une fois, sur une Coupe du Monde avec aussi, aussi peu de temps de préparation en ce qui concerne le staff technique. Parce que le staff technique, OK, Kadri était euh, l'adjoint durant la Cannes. Mais à un moment donné, pour… Tu vois, euh, mon cher Romain, le football aussi, c'est des erreurs. Tu, tu peux faire des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais les erreurs, tu ne les fais pas sur la Coupe du Monde. Tu l'es fais en amont pour justement jauger ton groupe, le tester, savoir quelles sont ses limites. Et là, du côté de la Tunisie, tu vas sortir de cette Coupe du Monde en te disant quelles sont les limites de cette équipe. C'est des limites bien évidemment techniques, pardon, et on aurait pu les voir avant. On aurait pu avoir un groupe qui soit davantage consistant dans son idée avec ballon, et là, pour le coup, c'est pas le cas. Alors, j'aimerais qu'on. Juste avant, je vous montre un petit code killer avant qu'on passe au deuxième sommaire. On monte un petit code killer sur, sur Duke, parce que tu parlais de ce joueur de, de deuxième division, il y a quand même des Winami qui ont, qui ont misé dessus. Attaco À, à, à Bronchin si Bron qui, a, qui a misé Et sur le but tête, de Michel Duke. Très belle tête. Très très belle tête. Euh, il a misé 50 euros, il a gagné 240 euros, bien sûr. On fait attention aux mises que, que l'on met, les amis. On n'est là pas pour se mettre dans des situations compliquées. Euh, on ne joue pas l'argent qu'on n'est pas en mesure euh, de perdre. J'aimerais passer au, au, deuxième, au deuxième sommaire. Le deuxième sommaire, pour se projeter un peu face à l'équipe de France, on va voir le classement. Le classement de ce, de ce groupe D, c'est le groupe D, effectivement, avec la France qui est, qui est en tête, face, toujours avec, avec 3 points, une différence de plus 2. L'Australie qui maintenant devient deuxième, avec une différence de, de moins 2. Euh, et ensuite, euh, la Tunisie et, et, et le Danemark, la Tunisie qui est quatrième avec euh, la différence de but de moins 1. S'il y a victoire de l'équipe de France, l'équipe de France aurait 6 points, donc serait automatiquement qualifiée. Et pour, être, euh, euh, pour ne pas être premier, il faudrait une défaite large de, face à la Tunisie et une victoire large de l'Australie face, face, face au ouais. Danemark. Pour, pour ne pas être premier de, de la poule. Donc on a quand même de grandes chances... J'ai rien compris mais je te fais confiance. Oui, facile, facile pourtant. Il y a quand même de grandes chances que l'équipe de France soit première si elle... Elle si pourrait elle, être la première nation qualifiée pour les huitièmes, officiellement. Ah, officiellement sûr, mais en plus euh, assurer la première place, dès, quasiment dès ce soir. Le joint de l'utile à la voilà. Même l'utile à l'utile. Quand tu prends ce, ce contexte-là, euh, quand tu prends aussi la manière dont joue l'équipe de France, la manière dont joue la Tunisie, est-ce qu'il y a un espoir Est-ce qu'il y a une possibilité infime que la Tunisie Non mais se des problèmes. Non mais dans le conducteur, il y a des gros problèmes. Je suis désolé, non mais tu peux pas. Non mais, non, mais vraiment Romain, non mais c'est pas marrant. Quand tu, quand tu, quand tu, quand tu sors d'un match contre l'Australie, d'accord, où tu viens de perdre contre les joueurs que je viens de te citer, et que tu m'expliques que sur un dernier match contre l'équipe contre de France, vraiment, on parle d'humilité depuis tout à l'heure avec Elton sur les 30 premières matchs. Non mais minutes. tu peux profiter du fait qu'il peut y avoir une qualification. Mais, mais, mais même mais avec une équipe, non, équipe non, B. Mais même non, avec non, une équipe même, B, cette équipe B-là va, 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 va vouloir sur une Coupe, sur une coupe du Monde euh, faire, faire un résultat se donner les moyens. surtout, tu seras dans une configuration où tu n'aimes pas prendre des risques avec balle. Voilà, changer les cartes. Et donc, tu vas m'expliquer que la Tunisie va, en se découvrant, d'accord, faire mal à cette équipe de France qui a des flèches dans son dos. Et attention, il n'y a pas son d'arriver qualifié sur le troisième Non, mais continuons à donner de l'espoir aux Tunisiens. Continuons à mentir aux gens. Continuons. OK, pourquoi pas D'accord, mais il peut y avoir un scénario dans lequel ça arrive. Non Ok. Ah oui, ouais. football reste football. Ah d'accord, Ah J'ai du okay. mal Donc, imaginons les scénarios. Ah, mais sincèrement, j'ai du mal à croire. Ah bah, oui. Il bah, y a un scénario où la BBC m'appelle à 17h et, et je parle en anglais et je fais des analyses en anglais. Ce serait euh, bien. Ce euh, serait Dans, ouais. mais... dans 4h. Il y a un scénario ouais. aussi. Il y a un scénario où ils pensent ouais. à moi et ils me disent Ah ben, bah, c'est le cirque Pinder, la BBC, on y va, et puis, vas-y, vous voyez, parle-nous de football. Il faut arrêter à un moment donné. Non, mais il faut arrêter. <laughs> Est-ce que tu, as, tu partages la même, euh, même vision ah Non, non, mais ça cas. me paraît très compliqué déjà par rapport aux deux matchs qu'on a vus. Parce que si on a encore une fois parlé de la Tunisie, c'était pour valoriser le secteur défensif. Et là, on est sur une configuration du match où, indépendamment de ce que l'équipe de France va faire face au Danemark, tu vas être sur une configuration où tu vas devoir prendre des risques pour aller non seulement chercher. Des buts, ce qui n'est pas évident puisque tu n'as toujours pas marqué dans cette compétition, et des points, à savoir la victoire. Donc moi par rapport à ça, j'ai du mal à imaginer un scénario où la Tunisie 1 serait capable de faire le travail offensivement et l'équipe de France serait un acteur. Mais même au-delà de ça, même s'ils gagnent contre la Tunisie, tu crois que le Danemark, ils vont pas contre l'Australie faire un résultat en plus. Je dis donc. On sait, euh... hein on sait pas ça. d'accord, oh, bon, on sait rien. Pas... Non, mais sait Non, mais on sait rien. Et même dans l'absolu, voilà. c'est l'équipe qui est deuxième pour Et voilà, exactement. Donc exactement. voilà. Donc euh, déjà, il faut maîtriser euh, le match face à l'équipe de France, mais en plus, tu es tributaire de ce qui va se passer de l'autre côté. Donc euh, là, tu es extrêmement mal barré. Ne nous racontons pas d'histoire. Alors du coup, alors, je pose la question euh, euh, autrement. Quel est l'intérêt euh, du match face à l'équipe de France pour la Tunisie ah, Il y a toujours un intérêt. Est-ce qu'il y a un truc à gagner Est-ce qu'il y a une. Pas un blason à redorer, quelque chose, quelque chose dans ce genre-là. Là, il y a toujours un intérêt. Déjà, il y a une victoire en Coupe du Monde. Ce n'est pas anodin ah oui. pour un pays comme la Tunisie. Il y a une victoire de prestige face à l'équipe qui reste pour l'instant championne du monde en titre, et encore l'aspect qualification. Donc, je pense que le discours de Kadri va tendre vers ça. C'est que, les gars, on est passé à côté. Il n'y a pas de problème. Enfin, si, il y a un énorme problème. Mais ouais, je, peux pas dire problème. Par là, je veux dire par là, c'est qu'il faut passer à autre chose parce qu'on reste encore… En lice pour aller chercher une qualification et il faut tendre vers ça pour chercher une qualification et espérer que les circonstances nous soient favorables. Bon, on va s'arrêter là-dessus alors. Hein. On va s'arrêter là-dessus sur la Tunisie puisqu'on a une partie sur le Sénégal et j'aimerais qu'on fasse des. Et euh, sinon, des côté australien, gros match de oui, Ryan, Soutar, Moy. Et... Ryan, le gardien du FC Copenhague, qui était ouais. à Brighton avant, qui était gardien remplaçant à Arsenal. Qui à Valence, a non un peu, hein. À Valence. À, à Valence, la, sociedad, non, la sociedad, à non, Valence, aussi, Valence aussi, À Valence. Valence aussi, il Ryan, a fait le Ryan. Oui, oui, le Ryan, oui. À Valence, Soutard qui a fait un gros match pour moi, c'est l'homme du match. Aaron Moy, Irvine aussi euh, dans le double pio. Et Duke, donc qu a... et Duke, euh, qui qui met un marqué. superbe but, ouais, qui met un très beau but. De... Avant de rejoindre la deuxième division japonaise. Non mais et, et juste à Samingo, etc. Mais quelques, Walid well, s'est déjà trompé sur le Japon, etc. L'idée c'est pas de se tromper ou pas tromper. Je te dis juste moi, sincèrement. Il n'est malvenu aujourd'hui, après la performance de la Tunisie contre l'Australie, d'imaginer un espoir de qualification face à l'équipe de France et face à un scénario. Après, si ça arrive, je serai le plus heureux du monde, il n'y aura aucun problème. Et j'espère me tromper. J'espère me tromper pour les Tunisiens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, arr... Mais je dis juste qu'arrêtons de nous raconter des histoires. On parle de l'équipe de France. Euh, on va passer à une nation qui... africaine qui a remporté un match hier. C'est toujours la première victoire africaine pour le moment dans cette dans cette Coupe du Monde. C'est le Sénégal et c'est tout de suite dans place au terrain. Place au terrain, donc sur cette victoire du Sénégal face au Qatar hier, là le boulot a été fait. Voilà. Là le boulot a été fait. On peut voir les statistiques de ce match entre le Sénégal et le Qatar. Victoire 3-1 malgré des situations concédées par, par les Sénégalais face aux Qataris, notamment à 2-0, ça a donné à, à, à la réduction de l'écart des, des Qataris, et même quelques arrêts par la suite d'Edouard Mendy. Euh, L'idée, c'est de parler de cette prestation-là, pas forcément du résultat, mais de la prestation, l'impression, et de se projeter par la suite vers, vers, vers le match face à l'Équateur. Euh, Elton, est-ce que la prestation du Sénégal hier face au Qatar t'as rassuré pour la suite de la compétition. Mon cher Romain, je peux te lister les points positifs du Sénégal. Tu as retrouvé l'efficacité offensive qui t'a fait défaut sur le premier match. Les attaquants ont globalement été satisfaisants d'un point de vue individuel sur le plan statistique. Et j'insiste bien sur le plan statistique. Tandjidou, Boulaïdia qui était déjà bien contre les Pays-Bas. Dieng dans une position de remplaçant et Ndiaye qui est impliqué sur le troisième but. Le fait de récupérer une meilleure version d'Edouard Mendy, c'est quand même salutaire parce que tu as été déficitaire dans ta surface face aux Pays-Bas. Donc, ça, c'est les points positifs. Ensuite, sur les points négatifs, et surtout le gros point négatif, c'est que l'équipe est toujours autant fragile collectivement. Tu as réussi notamment à avoir la maîtrise des momentum. Tu mets des buts sur des moments importants de la rencontre et qui définissent ensuite la suite de la rencontre. Mais en termes. D'équipe en termes de collectif, ça reste un collectif fragile parce que tu as eu l'instauration d'un nouveau système ou plutôt une redite d'un système que tu as déjà connu sur les qualifications lors de la CAN. On a voulu régler la problématique offensive en ajoutant un deuxième attaquant avec Diezou. Ce n'est pas pour autant que tu as gagné, notamment en solidité collective. On a vu une équipe qui était sur une application scolaire, le 4-4-2. Muter rapidement en 4-2-4, et quand tu as un 4-2-4, il faut bien le maîtriser parce que derrière il peut y avoir des espaces. Le Qatar a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait des espaces à avoir derrière le double pivot, et quand ils l'ont su, notamment en exploitant davantage les pistons, c'est là où le Sénégal a été en difficulté. Donc, moi je sors de ce match en me disant qu'on est beaucoup plus sur des performances individuelles qui ont contribué à. À faire que le Sénégal a remporté la victoire. Et par contre, collectivement, on est sur une équipe fragile. c'est pas de bon augure avant le match face à l'Équateur. Êtes-vous rassuré par la victoire du Sénégal Vous répondez oui ou non sur les différents chats, que ce soit YouTube, Winamax et Twitch. Walid, est-ce que ça t'a rassuré cette victoire-là bah Déjà, on va pas vous donner notre plaisir. Première victoire africaine. Et seule pour le moment. Dans cette compétition. Première et seule victoire africaine dans cette compétition. Euh, L'équipe la, la plus forte, normalement, sur le, sur le papier, en tout cas. pour en Afrique. Quoi. Contre, contre le Qatar. Euh, donc, sur ça, euh, c'est à valoriser, bien évidemment. Ils étaient attendus au tournant et la victoire était primordiale pour laisser donner une finale contre, euh, contre, contre l'Équateur. Euh, maintenant, après avoir dit ça, bien évidemment, qu'il y a euh, la question que tu me poses sur la victoire convaincante et je dirais non. Je dirais non parce que euh, pour moi, elle ne m'a pas convaincu par rapport à la faiblesse euh, du Qatar. J'ai trouvé que la première mi-temps avant le but n'a pas été extraordinaire de la part du Sénégal dans la maîtrise. Je trouve qu'ils sont et il faut le dire quand, quand si le Qatar avait été entre guillemets avantagé, euh, <laughs> euh, non mais faut avoir un devoir d'honnêteté là-dessus. Ouais, moi je suis impliqué euh, parce que je préfère le Sénégal bien évidemment, euh, mais si euh, le Qatar avait, euh, si le Sénégal n'avait pas n'avait pas, pas eu ce penalty, la fameuse action de ça exa Exactement, j'aurais 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 crié au scandale. Euh, donc euh, ça aussi ça a participé à, 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 à dans cette dans cette première mi-temps, on ne sait pas comment ce serait passé. Il y avait eu euh, penalty euh, euh, et globalement même en deuxième mi-temps. Alors il y a eu des buts par coup euh, but de Boulaïdia sur une erreur grossière de Cookie. Euh, on a eu Paradoxalement, en... il y a eu un temps fort du Qatar en oui. deuxième mi-temps. Hein. Et, 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 et en deuxième mi-temps tu marques euh, tout de suite sur ce corner, mais pas sur une attaque placée entre guillemets, euh, sur une maîtrise avec le ballon. 2-0 à des moments à des moments clés, mais sinon globalement derrière il y a eu une gestion. Enfin je ne sais pas s'ils ont géré, mais il y, a eu, il y a eu une prestation inégale de la part du Sénégal, en plus ça rime, avec le Qatar qui, le Qatar qui est monté en puissance et qui a eu pas mal de situations, pas mal d'occasions, qui est revenu au score à 2-1, qui avait une énorme occasion avec Edouard Mendy qui a, euh, qui, a, qui a fait cet arrêt monstrueux, des corners, des situations dans la surface de réparation. Euh, un milieu de terrain qui a été un petit peu dépassé. Et même un Foulibaly qui faisait encore une fois son match. Il a été rattrapé par la Oui sur féminité, le but. sur le but. Sur le but de notamment. But de et, de, et derrière, il y a eu des changements de la part de d'Aloucissé, un peu tardif, et heureusement qu'ils ont été là parce que c'est ce qui a apporté le troisième but avec la très très belle entrée de Lyamendi, euh, qui sur ses deux actions qu'il a eues euh, a donné une balle de but et, et derrière. Il aime bien câliner le ballon. Voilà. Oui. Et, 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 et derrière aurait pu. Aurait il ne pas, Elimanan hein, Diarra. Ouais. Et derrière aurait pu. Euh, Aurait pu même mettre un, un, un quatrième but. Et ce troisième but-là fait énormément de bien à la 80e minute, parce qu'entre le temps restant plus le temps additionnel, on aurait pu avoir une fin de match caca culotte de la part du Sénégal, et ça aurait pu, ça, ça aurait pu être compliqué. Et, et sur le victoire convaincante notamment, étant braille directement, c'est surtout par rapport à l'impression que l'Équateur nous a donnée bah euh, sur le match ça contre les Pays-Bas, qui, qui est assez. Euh, Là, qui pour l'instant. Vous rassurez par la victoire du Sénégal, le, le non l'emporte à 74%. On se projette vers ce 16e de finale. C'est un 16e de finale entre le Sénégal et, et, et l'Équateur. Euh, tiens, les Winamier, essayez de nous, nous répondre qui va se qualifier en 8 de finale. Est-ce que c'est l'Équateur ou le Sénégal On rappelle le scénario, euh, on a le groupe A, euh, normalement on a le tableau du, du groupe. Euh, le scénario qu'il faut pour que le Sénégal euh, passe, il faut une victoire absolue. Pour 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 espérer se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de match nul c'est l'équateur qui passerait en cas de victoire de l'équateur forcément c'est l'équateur qui qui passerait on a eu une vraie belle prestation de l'équateur face aux pays-bas hier en plus elton juste après le match du, du sénégal c'est ça qui fait que on peut douter encore encore un peu euh, sur, sur les possibilités des de, de lions de la Terre en guerre. On a une belle prestation de l'Équateur post 1-0 après le très beau but de Gagpo qui, qui a même tourné sur un monologue du côté de l'Équateur. Et ça, c'est pas de deux nature. tirs seulement pour. pour Et ça, c'est euh, pas de nature à te rassurer parce que non seulement euh, l'Équateur a été au-dessus, mais ils ont minimisé les Pays-Bas au point de leur laisser deux tirs. Et sur, le, sur les deux tirs, tu as un but extraordinaire où euh, c'est pas forcément, ça dénote pas d'un collectif qui a été... Oui, – les expected euh, goals euh, de, du Sénégal... – Si tu veux, c'est Gagpo, c'est consécutif à une perte de balle de Kaysedo. Gagpo prend le ballon et il te met un but extraordinaire. Donc euh, tout ça pour dire que l'Équateur a annulé les Pays-Bas offensivement, ils leur ont posé beaucoup de problèmes, au point que l'homme du match euh, côté néerlandais, pour moi, c'est pertes et quand c'est le gardien, ce n'est jamais rassurant, ils ont tapé là-bas. Et là, on a un échantillon de deux matchs, à mi-course, enfin à mi-course parce que non, on arrive sur le troisième match, on peut faire un bilan au bout de deux matchs, globalement, l'Équateur est la meilleure équipe de la poule A. Donc, le sur Sénégal, les deux premiers matchs. Ouais. Sur les deux premiers matchs. Donc le Sénégal va s'avancer vers, vers, vers l'équipe qui est la meilleure équipe de cette La poule. plus en forme. Maintenant, du côté de l'Équateur, faudra bien gérer notamment euh, les, la suspension de Mendes qui est très importante au milieu de terrain. La blessure des nerfs Et moi, j'ai dans l'idée que collectivement, l'Équateur reste au-dessus. Moi, ça me paraît très, très. Je suis sceptique, notamment par rapport aux chances du Sénégal au moment de battre l'Équateur, parce qu'il faudra arriver sur un scénario où l'Équateur soit rattrapé par la peur de tout perdre. Et que le Sénégal n'ait plus rien à perdre. Et donc, par rapport à ça, moi, c'est le, le seul scénario où je peux envisager de voir l'Équateur, entre guillemets, déjouer. Mais maintenant, si l'Équateur est prêt à appliquer footballistiquement, aujourd'hui, l'Équateur passe. En huitième de finale. J'aimerais vous montrer la composition du Sénégal hier face euh, au Qatar. Walid, quand on prend les individualités de cette équipe-là, Elidou même Abdou Diallo, Edouard Mendy qui a gagné une Ligue des champions, euh, Ismail Assar, euh, Idrissa Gueye… Sabali, très euh, bon joueur de Ligue 1. Sabali, un bon joueur de, bon Ligue, 1. Bon joueur de Ligue 1. Voilà, Jacob, Édouard, Diallo… enfin même. Boulaïdia qui a… Qui, qui, qui a joué à Real, à, à, Reims, Villarreal, buteur, but, buteur, buteur à voilà. Reims, Villarreal en grande forme avec, avec euh, un, sa dernière un, Individuellement, je pense qu'il n'y a aucun mal à dire que le Sénégal a des individualités supérieures à celles de l'Équateur. Ça c'est actuel. Est-ce que collectivement le Sénégal a le moyen de, les moyens de, de gêner cette équipe-là C'est le facteur individuel-collectif. De toute façon, ça va être euh, la rengaine sur euh, toute la compétition, quoi. Que ce soit à l'échelle de l'Équateur-Sénégal ou de, de l'Espagne face à une autre, face au Brésil, etc. C'est les débats qu'on a avec Elton depuis le début de la compétition. C'est le cynisme, le, le, euh, la, cette capacité à être référent dans les deux surfaces, mais aussi collectivement au mieux terrain dans la maîtrise du jeu. Il va falloir un tout. Le gros problème entre ind les individualités et le collectif romain, c'est qu'en fait, le côté factuel de la supériorité individuelle du Sénégal, il va falloir la montrer. Et ça, quand même, il y a un chemin entre le dire en plateau, l'afficher sur des compositions d'équipe et montrer des performances de ces joueurs-là, notamment. Sur un match à la vie à la mort, sur un match à la vie à la mort contre l'Équateur. Parce que qui me dit qu'aujourd'hui, bah, dans les leaders de l'Équateur, on va lancer, on verra s'il si sera là, mais un Estupignan, un Incapié, un Caicedo, euh, notamment, qui normalement, en termes de vécu sont beaucoup moins forts qu'un Edouard Mendy, Koulibaly, qui sont Dia, Idrissa Gueye, mm. euh, Diallo, etc. s'ils ne vont pas être ensemble d'ailleurs. voilà s'ils ne vont pas être meilleurs ces mecs là parce qu'aujourd'hui individuellement Idrissa Gay qui devrait être un joueur qui tire le collectif vers le haut pour moi c'est pas suffisant je suis pas satisfait Ismail Assa je suis pas satisfait Diata je suis pas satisfait Edouard Mendy j'étais satisfait un match sur deux il n'y a que Koulibaly la baraque. Puis, tiens, il y a peut-être Diallo et encore, il est dans un rôle un peu différent. Et il a rentré l'Ismaël ouais, Oui, mais Boulaïdia, à la base, il est pas, c'est pas lui dans. Il est, pas il est cinquième aussi. Bon il est cinquième, c'est un très, c'est un très bon joueur. il y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui, c'est sa première compétition à la Coupe d'Afrique des Nations, la, 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 la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il avait pas fait une grande Coupe d'Afrique des Nations. Notamment qu'on ne compte pas sur lui à la base. Enfin, si, tu comptes sur lui. Parce, oui, mais, mais voilà. ce n'est pas le premier joueur que tu reçors. Et dans Après, si, mais... si Boulaïdia, il vient, il met doublé contre l'Équateur, il les qualifie. Euh, oui, oui, bon, bah, l'histoire voilà. que tu racontes, mais... notamment sur la place des leaders pour le Sénégal, Boulaïdia, il n'y est pas. Oui, voilà. Et donc, et donc, elle est là, la question. c'est moi, je suis pas… Même sur le facteur individuel, bon, sur le facteur collectif, euh, pour moi, il euh, y, euh, y a vraiment une impression visuelle très, très différente entre oh, bah, les deux. Oui, 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 oui. Mais, mais même sur le facteur individuel, je ne sais pas si aujourd'hui individuellement si le Sénégal va même individuellement, tu veux dire individuellement dans le contexte international. Ouais, si du Coupe du si monde si. Didier va faire un meilleur match que là... Kaisédo, je ne sais pas. Mm. Oui, c'est une question qui se pose. Hein. Je ne sais pas si Incapier va être comment dire que la défense centrale, en plus surtout dans une physionomie de match où le Sénégal va devoir se découvrir parce que si le Sénégal ne gagne pas, ils sont éliminés. Mm. Mm -hmm. okay, avec euh, Keissédo, à bout Parce qu'aujourd'hui, ouais. qu la réalité, c'est quoi C'est que c'est un 16ème de finale, mais il y a une équipe qui a le droit de faire match nul. Hein. C'est ça. <laughs> c'est donc, ouais. donc, euh... pas, pas un 16 de finale un sixième, avec une C'est hein, pas un 16 de finale où à. à, à L'Équateur bien... a beaucoup plus de perspectives que le Sénégal bah, bien... qui a qu'une perspective, bah, c'est Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas je gagne et par contre si je gagne euh, de façon large, euh, entre guillemets, euh, euh, il y, y a un autre résultat de l'autre côté. Non, c'est faux que tu gagnes. Tu ça. gagnes, tu gagnes pas, tu rentres à Dakar. Mm. Donc la réalité, elle est là. 16e de finale entre le Sénégal et l'Équateur. Vous voyez l'Équateur pour le moment vous qualifiez. Bien sûr, ça dépendra de ceux qui seront absents ou présents. On pense notamment à Énar Valencia, le buteur de l'Équateur. Aussi à Sheikh on ne sait pas encore s'il sera là. Kouyaté, ou je pense que ça va être une course voilà. contre la montre pour qu'il soit là, mais. Ça peut être compliqué. Ça ne ça part, part, pas, part pas très bien. quoi. Voilà. On va passer à la dernière partie de l'émission. Il nous reste 7-8 minutes. On va faire les coups à tenter du jour. C'est dans le coup franc. Le coup franc, les coups à tenter de, de la journée, euh, on a encore trois matchs aujourd'hui, euh, trois matchs avec euh, le match entre la Pologne et l'Arabie Saoudite qui va démarrer dans, dans pas longtemps, la France et l'Argentine. Bah, tiens, on commence par ce match qui commence dans dix dans minutes. Euh, la Pologne est à 1,72, le match nul est à 3,70, l'Arabie Saoudite qui a été la sensation de euh, ce premier match, cette première journée de, de la Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite est à 5,30. Walid je connais déjà un peu la vie d'Elton, donc j'aimerais avoir, avoir ton avis d'abord là-dessus. Je suis partagé, moi. Est-ce que tu vois l'Arabie Saoudite continuer Est-ce qu'on a l'Arabie Saoudite premier avec 6 points et qualifié pour les huitièmes de finale à 15h30 Je suis partagé parce que quand même, il y a pas mal de réussite sur le Premier match Ça paraît de fou, Saoudite, quand même. Quand même. Ouais. Euh, et, euh, et je trouve la cote à 5,30 euh, pas si haute que ça véritablement. Ah ouais Ouais, parce qu'en fait, ils viennent de taper l'Argentine, quand même. Hein oui, mais parce que, bah, mais pour moi, faire 6 sur 6 sur les deux matchs ce serait quand même euh... oui, pas, et, et, ce serait fou complètement c'est pas la chose qu'on avait prévu donc, pour en être fait, très très et et donc, en fait, cette, cette chose là me rend la cote un peu plus faible mm. je me dis quand même à la limite ils vont faire un match nul tu vois ce serait déjà un bon résultat et puis la Pologne ils ont quand même des arguments les mecs ouais, ouais, ils ouais, ont un si... argument quoi ben, ouais pas, pas qu'un argument moi Zilinski, j'aime bien le petit de Feyenoord aussi euh, au milieu de terrain j'aime bien euh, je sais plus comment il s'appelle Zilinski. c'est lui mais mais et je me dis que voilà en termes de solidité de défensive, en fait, la Pologne est prévenue par rapport à l'Arabie Saoudite. Il y avait aussi peut-être une histoire de nonchalance et une histoire de complexe de supériorité de l'Argentine sur ce match-là que la Pologne n'aura pas. Donc, moi, je vais. Je... Ce match-là, je. Le résolument offensif de la Pologne avec l'ajout de Milik aux côtés de Lewandowski, clairement, on veut du but face à l'Arabie Saoudite. Zielinski sera derrière. Sur la Pologne, moi. Ouais. Prankowski qui sera en piston gauche notamment et cache piston droit. Donc ah, Ça, c'est les principales cache. informations. Mais, mais euh, la Pologne sur les dernières compétitions internationales, mon cher Alton, ah est-ce est très... qu'elle nous a prouvé qu'elle pouvait euh, bah non. faire ce genre de bon au contraire, C'est très décevant. Tu as eu 2018 où ils sont passés à côté pour moi, rebelote à l'Euro 2020. Donc, ce n'est pas comme si la Pologne nous avait énormément enthousiasmés déjà sur le plan du jeu, mais surtout sur le plan compétitif. Mm. Le, je vais vous mettre les, fin, la, la cote que. Après, on sera derrière que, Hervé, bien évidemment. Mais... Ah, bah oui, bien sûr. Il paraît que, alors on ne l'a pas encore vu, mais il paraît que l'interview qu'il a fait à, ouais, à, sur, sur Beansport, il paraît ouais, qu'elle est vraiment ouais. blanche. Bah, en ouais. fait, je, tout à l'heure, quand Elton parlait, je le regardais. Ouais. <laughs> juste Nous, on n'a le... pas le son. On a juste, un, juste euh, un on a le regardant, juste, le truc. juste en le regardant, déjà, ça me fait. Peut-être ouais. que j'en fais trop avec Hervé Renard. Mais il euh, y a une vidéo de sa mère, et il est en pleurs devant y a Florian Renard. Une vidéo de aussi. Une vidéo de Benassia, qui était le capitaine du Maroc, notamment en 2018, qui lui dit beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et euh... Euh, Arabie saoudite ou nul, c'est à 2. C'est pas mal. Ouais, ça a été un peu rehaussé. Premier match enfin, officiel, euh, vittiers, premier match en Coupe du Monde entre les deux nations, il y avait eu un précédent de 4 matchs, c'était des amicaux, tous gagnés par la Pologne. Et moi j'ai dans l'idée que par rapport à ce qu'ils nous ont montré, bon, il y a encore eu des adaptations tactiques de renard, il y a al qui avait pourtant fait un énorme match mm. qui est remplaçant parce que du côté saoudien... En fait, on craint le jeu aérien polonais, donc on a jugé que lui était davantage dans la couverture, dans la défense de la profondeur, et donc on lui a privilégié un autre profil. Et moi, je pars sur Arabie Saoudite, double chance, soit victoire, soit match nul, cote à deux. Allez, France, Danemark. La France à 1,85. Le match nul est à 3,55. C'est où 1,85 hein, quand même à ,80. pour la France pas mal, hein, 85. Bon, après, je pense il, y a, on, on reste. il y a les derniers matchs. Il faut, il faut rappeler quand même que le Danemark a gagné deux fois contre l'équipe de France en 2022. Au stade de France et à Copenhague. Que, que le, ça peut être la première fois de l'histoire que l'équipe de France perd trois fois dans la même année contre un adversaire. Mm -hmm. bon. Est-ce qu'on a envie d'aller se mouiller sur la France à un 85 au lead Oui. Moi, je trouve la cote Belle, moi. Hum je pense que le Danemark a été décevant quand même sur le premier match. Et que je pense que la France peut, peut boucler, peut boucler, peut boucler, peut boucler ça. ça, en tout cas, je l'espère. Et on va voir, euh, on va voir ce, qui va, ce qui va se passer parce que ça va être aussi un, beau, un, un bon test pour le milieu de terrain, un bon test pour, le, euh, pour la défense centrale avec le retour de Varane, même offensivement, euh, ça reste des joueurs solides et, 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 on est, et on a perdu sur les deux derniers matchs contre le, contre le Danemark. Donc, euh, donc euh, à voir, même si je pense que ouais, la France va... La France peut... Même si, même si en, en, en compétition internationale, le Danemark ne nous... nous, nous euh, je ne me pas. Pas. Ouais, pff, Ça dépend. Il bah, y a 2002 en fait. Il y a 2018, on a fait compétition internationale. Il y a eu le Mondial 2018 où il y a le 0-0 du troisième match. Oui, bah, on gagne euh, pas quoi. Voilà, mais bon, qui est le match des coiffeurs. Là. Et, euh, et après, je crois qu'il y en a un autre aussi depuis 2002. Il y en a un autre où on joue le Danemark. Je sais pas si c'est pas 2008 ou 2012, un truc dans ce genre-là. Non, non. Non Bon, peut-être. 2010, non Non, non. Non, non. non. Bon, bah, 2010, 2010 c'est euh, Afrique du Sud, Uruguay. Et... 2014, ils sont pas là. Non, non, 2010, non. c'est pas... Afrique du Sud, Uruguay et quoi 2010, euh, le Mexique. Mexique. Ouais. Peut-être 2008. Peut-être 2008. Non, non, Ça, non le 2008, genre 2008 non. Non. Le match de non. polo quoi C'est Italie, Roumanie, Pays-Bas. Non, ouais. non, y a pas, y a pas. Ah, 2012, c'est Espagne, Allemagne qui non. Et Roumanie non, encore non non non, 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 2012, c'est, euh, Suède, euh, c'est Suède, Angle, Suède, Angle, Suède, Angleterre et Ukraine. Ah oui, est non, Ukraine non, premier match, rien. ils gagnent. Ah oui, t'as raison, raison. Ils font, non, ah oui, non UK... euh, Angleterre premier match, ils font un partout avec le but de Samir. Bon, bref. Et, et... moi, je vais sur l'équipe, je vais sur l'équipe de France parce que j'ai été, j'ai été très, 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 très déçu par la ligne d'attaque danoise. après, quand tu vois cette ligne d'attaque notamment composée de Dolberg j'ai du mal à avoir un peu plus d'espace que contre la Tunisie. C'est vrai, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des alternatives pour avoir mieux. Donc moi, j'irai sur l'équipe de France parce que je fais confiance, notamment au niveau de confiance du secteur offensif, car et bien évidemment par Kylian Mbappé qui a été très bon contre l'Australie, par Olivier Giroud qui a égalé le record de Thierry Henry et donc tout ça me fait dire qu'ils sont en mesure de, de battre le Danemark et de se qualifier officiellement pour les huitièmes de finale. En un mot, en un mot euh, Argentine Mexique. Walid. Argentine Mexique ou Argentine. Argentine à 1,52 52. Argentine. Argentine à un 52. Le match nul est à 4-10. Le Mexique est à 7,50. On va vous laisser euh, parce qu'il y a le match commenté entre la Pologne et l'Arabie Saoudite dans, dans quelques instants. On vous rappelle le programme exceptionnel: Winamax FC euh, à 19h avec le débrief de ce France-Danemark, puis le match commenté face à l'Arabie Saoudite et Winamax FC à 22h également pour débriefer le match entre l'Argentine. Et le Mexique. Passez une très très belle journée foot. On va se retrouver. Moi, je suis là demain. Vous, vous êtes là tout le temps. À tout à l'heure. On va se retrouver très vite dans le WFC. Ciao tout le monde. Salut.